gars m'ont eu sans complicité avec mon groupe de communication. J'étais pas content parce qu'ils ont utilisé mon compte Facebook. J'ai gardé ça ma sécurité. Ils ont profité. Voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Moi, je suis toujours prêt. Si vous voulez arracher tout ce que vous voulez faire, je suis prêt. Bon, merci. J'invite toute personne qui voulait aimerait, n'est-ce pas, échanger avec moi. Ne restez pas à distance pour rencontrer ce que vous avez à rencontrer. Approchez-moi. Ou d'autres personnes qui n'ont pas de s'ouvrir des documents, c'est pas d'hébergement, qui aimerait, si tu veux me croire, pas en moi. Que tu veux bien échanger avec moi parce que tu es sceptique à ce que je fais, tu peux m'envoyer une secteur d'hébergement. Tu me demandes de venir, tu t'envoies le secteur d'hébergement, on va te chercher ma voiture. On part te chercher ma voiture à l'aéroport, tu viens, vous faites quelque chose. Mais ne vous mettez pas derrière les écrans pour insulter les gens bêtement. Parce qu'ils vous reprochent tout ça. Vous ne mettez pas en les gens. Il peut avoir une poursuite. Il peut avoir une poursuite. Parce que c'est diffamation. C'est des propos diffamatoires. Parce que même sur Internet, là où vous êtes normalement en France, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire, la police scientifique peut vous poursuivre. Si moi je pose plainte, que je vous poursuis, vous pouvez faire prison pour de ça. Le fait de nous insulter quelqu'un sur l'Internet, ça mérite la prison. Mais moi je suis pacifique, je ne suis pas comme vous, très brutal. Vous prenez mon nom pour faire du beurre. Moi je ne suis pas dans vos histoires, je fais mon travail. Ce que vous faites d'ailleurs, ça n'a pas d'impact sur ma personne. Bon bref, mais c'est avec la complicité des gens, parce que je me suis plaint après, je me suis fait pas là, vous connaissez, j'ai tempêté, ils m'ont rassuré, pas là, j'ai fait là, faut qu'on respecte les gens, faut garder ma voiture. Bon, moi je suis prêt pour les interviews, comme je disais tout à l'heure, celui qui aimerait échanger avec moi, il peut m'appeler, n'est-ce pas, c'est pas comme ceux qui m'ont fait la surprise, si vous faites la surprise, ben en fait, je suis un peu dans mon intimité, je suis venu juste à San Pedro, à Sofia pour juste un truc, mais j'en profite pour dire merci aux gens, tels que Honoré Oslo depuis les États-Unis, Baltimore, ben, c'est des personnes qui m'ont aidé personnellement. Voilà, et puis Adosso, Monsieur Dosso, Afrique Vision, voici les personnes qui m'ont aidé personnellement, soit Afrique Vision et tout ça. Il y a aussi, je parle de tous mes enfants de Paris, hein, voilà. Aussi à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, les gens qui sont méchants, il y a des personnes méchantes, il y a des personnes qu'on a même aidées, J'ai passé toute ma vie en train d'aider les gens. C'est-à-dire c'est un risque qu'on prend. C'est un risque qu'on prend, le fait de mener ce combat-là. C'est un risque qu'on prend. On vous délivre. Et vous, c'est vous qui disparaissez. C'est vous qui n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes méchant. J'ai vu un peu des enfants qui ont réagi face aux attaques que les gens faisaient contre moi sur les réseaux sociaux. J'étais chapeau.
Je remercie aussi ceux qui n'ont pas réagi, qui ont aussi m'envoyé les messages par inbox. Mais ceux qui sont tus, c'est-à-dire celui qui dit rien consent. Mais j'ai vu en même temps ceux qui m'aimaient, ceux qui ne m'aimaient pas. Je ne suis pas là pour faire le procès de quelqu'un, mais en même temps pour dire, j'ai compris. Voilà, on quitte la ville, on va dans la broussaille, on va vous aider, on vous délivre. Quand on finit de vous délivrer, vous disparaissez. Mais heureusement que je ne vous sais pas, moi je sais Dieu. Les gens sont très ingrats, ils ont besoin de vous quand ils ont des soucis. Quand c'est fini, prennent le temps de régler leurs problèmes, c'est fini. Hein? C'est fini, vous oubliez. Ça dit, vous oubliez. C'est pour ça que par moi, on réfléchit avant de pouvoir vous apporter. Ce n'est pas que le prophète a changé, mais je réfléchis. Parce que c'est des risques. Je suis le seul homme de Dieu. Le seul homme de Dieu. Attends, j'en ai mes lunettes. Pourquoi il fait chaud? Le seul homme de Dieu. Ici, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. D'autres attributs générales, d'autres attributs d'autres trites. Ils n'ont qu'à aller dans le village comme je fais. Moi, j'ai fait un mois, deux mois dans le village. Et je mate la sorcellerie. Je ne joue pas à ça. Je suis le seul homme de Dieu au monde, dans le monde entier, qui a démystifié la sorcellerie et qui est encore vivant. D'autres avaient peur du sujet. Quand on parle de la sorcellerie, on te tue. Moi, je suis vivant. Hein. Ça fait 10 ans. 10 ans. Je précise très bien. 10 ans que je suis vivant. 10 ans. Depuis 2006. Avec toute cette souffrance, je continue, je progresse. Bon, mon histoire est sur YouTube. Hein. On est parti de Nyeni Nyeni jusqu'en voyage, tout ça. C'est pour ça qu'il en profite, dit Shalom à Honoré Anson, ma fille. Merci. Merci à Afrique Vision. Les gens qui ont cru à moi sans m'avoir vu, qui se sont investis. À Maman Bessora depuis Lyon, à Paté, qu'on appelle la Félicité, Kwasi, qu'on appelle Odette de Paris, qu'on appelle Serge de Paris. À Exode, à Ludovic de Lyon, à Exode de Chambéry, Ludovic, en même temps le président, mon vice-président de Marseille et son frère, bien sûr. Beaucoup de personnes comme ça qui m'ont apporté leur soutien. Mais au fait, j'ai compris qu'aujourd'hui, les gens sont ingrats, au fait. Voici un peu ce que je vais dire. Les gens sont ingrats, ils sont méchants, ils sont ingrats. Ils n'arrivent pas à reconnaître. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, dans notre culture africaine, on n'a pas ce sens-là de la préserver, n'est-ce pas, des acquis. C'est pour ça que quand vous achetez un téléphone portable, on ne prenait pas de sécuriser le téléphone. Moi, j'ai sécurisé parce que je suis quand même intelligent. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut mettre anti-choc, pour mettre truc. Quand tu achètes un téléphone, ça peut tomber. C'est-à-dire, quand vous avez un prophète crasso comme moi, qui prend son temps, qui va dans les villages, qui ne s'assoit pas à Abidjan, comme d'autres pasteurs le font, qui ne s'assoit pas à Paris, comme d'autres le font, qui prend votre argent, tous les dîmes, les offrandes, du coup après ça. Moi, je ne le fais pas. Je ne suis pas aux gens venus de mon église. Je ne crée pas des églises à Paris et tout ça. Malgré ma célébrité, que vous voulez ou pas, j'ai une renommée. Ça dit, vous voulez ou pas, les gens me suivent. Mais je n'ai jamais dit aux gens, je suis le seul. C'est la première fois que j'ai dit aujourd'hui, tout comme fait, je suis le seul homme de Dieu qui parle de la sorcellerie, qui mate, qui a des preuves. Il y a 5000 vidéos. Ça dit, moi, je suis dans les villages. Qui d'entre vous, les pasteurs, là, il y a qui allez dans le village attaquer la sorcellerie. Il y a qui? Moi, je le fais. Je m'ai aidé les gens, n'est-ce pas, je m'en vais à la source de la sorcellerie pour mater la sorcellerie. Je mate la sorcellerie dans son dernier retranchement. Je ne joue pas à ça. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je, n'est-ce pas, permettre aux gens de venir en Afrique investir. Je ne décourage pas les gens parce que les autres personnes ne venaient pas à l'Afrique. Ils créent tout un mystère autour de l'Afrique. Que l'Afrique est dangereuse, c'est mauvais, c'est connerie, c'est comme ça. J'en ai ma lunette. Voilà. Que l'Afrique est dangereuse, elle n'est pas bonne, tout ça, il y a la sorcellerie. Nous, on dit c'est vrai qu'il y a la sorcellerie, mais si vous avez Jésus-Christ, vous êtes à l'abri. Attends, est-ce que monsieur comme ça, il est celui-là qui peut être un diable? Attends, sinon j'allais dire à tout le monde reste là-bas. Moi, aujourd'hui, la possibilité de. Même au port nord, je peux aller au port nord. Les gens, quand ils ont ce statut aujourd'hui, c'est-à-dire à ce stade aujourd'hui, il ne fait que rester là où il y a le miel, manger. Moi, je suis au village. Je n'ai jamais fermé d'église à Abidjan. Écoutez, la plupart des gens sont à Abidjan qui viennent me voir. Le problème, il est où aujourd'hui? Il est où? Mais j'ai compris, les gens, ils viennent bien détruits. Vous allez vous lever pour l'Afrique, la cause de l'Afrique, ils vont détruire. Moi, je suis panafricaniste, mais je ne suis pas politicien. Panafricaniste, c'est-à-dire de révéler les réels problèmes de l'Afrique. C'est un problème mystique, c'est un problème de sorcellerie. Et donc, nous, on s'occupe de l'aspect spirituel. D'autres monétaires, d'autres, si vous voulez, politiques. Il y a beaucoup de voleurs sur lesquels nous pouvons débattre pour les panafricanistes. Mais moi, je crois à l'Afrique, hein, l'avenir de l'Afrique.
je pense que l'Afrique va se réveiller. Je pense que l'Afrique va posséder le monde. Je pense que l'Afrique, n'est-ce pas, va vivre ses ressources. Moi, je crois à ça. Mais je ne suis pas celui qui révolte les gens. Par rapport au problème monétaire, par rapport au problème... Moi, j'ai dit revenez à Dieu. Si nous avons une position avec Dieu, que nous sommes assis avec Dieu, que nos sorcelleries, nos histoires d'idolâtrie, nos histoires des diables que nous adorons dans nos régions, ben, nous allons évoluer. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Qu'on appelle Psaume 60, verset 14. Il écrasera nos ennemis. Nous avons trop d'ennemis en tant qu'Africains. Voilà. Mais je comprends le point des Africains. Moi, quand je me mettais dans ce combat, attends, ce travail-là, c'est pas un travail. Hein. Allez dire à un sorcier, attends, est-ce que moi je me suis levé un matin? Moi, j'ai vu à Abidjan. Quand vous découvrez mes vidéos, c'était dans les villages. Donc, j'ai une progression dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est parti d'un point à un autre point. Je suis en train d'attirer les gens dont les gens font peur. Parce qu'il y a un autre message qui est véhiculé de l'autre côté. Sauf que les gens nous en veulent. Vous êtes assis dans les salons. Vous parlez dans les salons. Moi, je parle quand je suis sur terrain. Moi, je parle quand je suis terrain. Je mate quand je suis sur terrain. Je suis quelqu'un qui mate la sorcellerie. Je ne suis pas là pour m'amuser à ça. Si vous voulez, jetez moi dans n'importe quel village, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Congo RDC, Congo Brazzaville, que ce soit dans n'importe quel pays, même en Chine, à l'Inde, même moi, prends-moi. C'est cette expérience que j'aimerais que les gens cherchent à découvrir, que de m'insulter. Parce que quand vous dites non, parce que nous, là, la spiritualité, c'est plus pragmatique. Vous m'invitez dans un village, et puis vous venez, tel que cette chaîne de télé qui m'insulte, qui rencontre des conneries à mon égard. C'est tel que les gens qui rencontrent, vous me dites, bon, on est venu spécialement parce qu'on t'invite dans un tel village. Vous m'envoyez dans le village pour vous filmer. Vous allez voir. C'est là où vous allez voir qui est le prophète Grasso. C'est tout. Voilà, donc pour moi, les gens sont méchants et ingrats. J'ai aidé beaucoup de gens. Beaucoup. Quand je dis, je précise très bien beaucoup. Mais l'homme, il est ingrat, il est méchant. Il est très méchant. Il n'a besoin de toi que pour te servir. C'est-à-dire pour t'utiliser. Une utilité, va, et quand ça finit, c'est fini. Je connais beaucoup de gens que j'ai aidés aujourd'hui qui ont retrouvé leur entreprise, qui ont retrouvé leur fécondité, qui ont retrouvé beaucoup de choses par la grâce de Dieu, aujourd'hui qui se sont positionnés dans beaucoup de domaines, dans tout ça. Mais moi, je crois à une seule chose, je crois à la victoire de Christ sur les œuvres de la sorcellerie. Je suis venu justement ici à San Pedro méditer sur quelque chose et faire avancer le livre que je suis en train d'entreprendre. Je suis en train de faire un livre. Voilà. Je suis en train de faire un livre. Ça sera bouclé bientôt. Nous aurons l'occasion de connaître la sorcellerie et la détruire. Il faut la détruire. Parce que tout ce qui est nommé un nom, voilà, il faut la détruire. Voilà. Parce que la sorcellerie ne s'amuse pas. Attends, si j'étais sorcier, si j'étais magicien, je n'ai pas dit de détruire la sorcellerie. Il y a des gens, eux, qui m'insultent, ils disent qu'ils sont sorciers, mais ils protègent les sorciers. Ils sont sorciers, mais ils ne parlent pas mal de la sorcellerie. Ceux qui m'insultent là, est-ce qu'une fois ils m'ont parlé mal de ça? Moi, je parle mal parce que je ne suis pas complice de la sorcellerie. Ben, mais franchement, les gens sont mauvais. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre ma vie. Heureusement, je compte sur Dieu. Heureusement, c'est pour ça que j'avance. Les gens sont méchants. Aujourd'hui, ils n'ont besoin que de toi parce qu'ils ont des problèmes. Et après, demain, ils te jettent. Mais Dieu ne m'a jamais rejeté. Dieu ne m'a jamais jeté, c'est ça. Il y a des gens que j'ai beaucoup aidés. J'ai beaucoup aidé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils sont rien dans les oublis. Mais heureusement que je progresse, j'avance. J'ai fait l'orphelinat sans l'aide de quelqu'un. Après ça, mes enfants spirituels m'ont aidé, m'ont soutenu, me reconnaissant. C'est pour ça que j'appelle les enfants spirituels autour de Maman Bessoura, cette tournée européenne qui va nous permettre de visiter beaucoup de 10, 11 pays européens. Et en même temps, j'en profite pour dire, je serai au Canada. N'en voulez pas à Paulin, ni à Raoul, n'ont rien à voir avec cette histoire. Nous sommes en train de remplir des formalités, c'est déjà OK. À notre niveau, on fera la surprise parce qu'on a trop annoncé le Canada, c'est vrai. Je salue Paulin et sa femme, qui est ma fille, Agnès Shalom. Voilà, et Raoul aussi, Shalom et lui et sa famille, disséré par la grâce de Dieu. Déjà, dans le secret, c'est parce que nous autres, on n'aime pas trop bavarder. Dans le secret, déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à prendre goût à l'Afrique, qui ont commencé à revenir à cause du fait. Parce que moi, je suis ici, hein. Vous êtes dans les salons en train de bavarder. Vous êtes à Boston, vous insultez le prophète Grasso. Je ne sais pas ou quoi. Moi, je ne suis pas dans le salon. Je suis. En août, en octobre, là, vous allez me voir dans des villages. Je commande dans les villages. Il y a deux villages à visiter pour aller à la présidente de la sorcellerie, encourager les personnes à venir dans leur village. Voilà, donc, les gens sont méchants, en fait. Ils ne sont pas reconnaissants, ils sont très méchants par rapport à tout. Mais heureusement qu'on ne travaille pas pour les hommes, on travaille pour Dieu. Dieu est reconnaissant par rapport à ce qu'on fait. Et puis, c'est ça. Voilà, donc je tenais à dire ça. J'ai tout l'objet de beaucoup, parce que les gens savent que je suis médiatisé.
C'est un peu ça. J'ai été surpris quand j'ai vu les gens frapper ma porte. Après ça, j'ai réfléchi. J'ai fait parler avec eux après. Ouais, j'ai utilisé mon téléphone. Puis j'ai vu ça après que c'était sur le direct de mon téléphone. J'ai compris que si je ne m'ouvrais pas, c'est pas bon. Donc je me suis ouvri. C'est ça on dit, hein? Ouais. Vous oubliez français un peu. Je me suis ouvri, non? Au verbe, autant pour moi. Je me suis ouvert un peu, autant pour moi. Je suis un peu villageois. Hein? Je me suis ouvert un peu aux gens. Donc ça a permis aux gens de rentrer dans mon intimité. Je m'ouvre. Et puis ça permet aux gens. J'ai un langage de villageois. Je suis parmi les villageois. On m'a Tikriti, on m'a Polo, puis Plakali. Tantôt, je suis là, le matin, on fait un rang. Polo, Plakali, quand on finit de manger, ça va. Donc nous, on parle n'importe quoi. Pourvu que tu as compris ce qu'il a dit, ouvrir, ouvert, tu avances. Mais je suis en train de faire mon livre. J'ai finalisé mon livre tout à l'heure. Tout ça. Donc, quand on est au village, on a un langage des paysans. Donc, on est habitué à ça, même comme on a envie. Même quand on mange souvent pizza, on habite au langage des villages. Donc, je suis à l'hôtel Sophia. Mais ne soyez pas méchants. Il y a des gens qui m'entendent bien, ils savent ce que je dis. Ils sont très méchants et ingrats. Tu étais où aujourd'hui là? On peut s'asseoir où? C'est là que tu as les photos là. Il y a un monsieur, je vais te montrer. Il y a que le poste. Moi, je vais pas la mer. Tu veux descendre là? Tu veux descendre? Ouais. Je vais toucher l'eau. Ah, d'accord. C'est après, on vous appelle? Oui, tu vas prendre ma tête. Les gens sont trop ingrats. Vous avez remarqué, les Africains, je n'aime pas conserver les acquis. Pour ça, tous les panafricains, on meurt, ils meurent. Quand vous allez parler, les gens meurent, ils sont à la tue. Cette mer me rappelle une histoire de la délivrance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ça déjà, c'est un signe puissant. Qui dit Jésus-Christ, Dieu est Dieu, et ça annonce un peu, n'est-ce pas, la venue de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas, que le baptême, c'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Maintenant, le prodige de Dieu. Dieu, il est le maître de la nature, il peut tout faire. Mais en même temps, historiquement, comment nos parents étaient traités ici? Si cette mère allait se prendre ailleurs, nous autres, quand nous voyageons, quand nous voyons certaines choses, ça nous amène à comprendre beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui sont dans mon entourage qui veulent forcément me nuire. On se sert de pouvoir me nuire. C'est pour ça que je ne cache rien. C'est prêt, non, je viens. Je vais manger la pizza. Vous avez Tikriti? Vous ne restez pas dans la vidéo, je vous parle. Vous bandez du Tikriti? Vous bandez du Tikriti? Oui. Vous ne connaissez pas le Tikriti? Vous êtes à Sofia, vous ne connaissez pas Tikriti? Tikriti. Le Tikriti. J'ai demandé quelque chose tout à l'heure. Pizza. Pizza 4 saisons. J'ai ça ici? Pizza 4 saisons. Mais pourquoi il n'y a pas de Tikriti? Pizza 4 saisons. Mais pourquoi vous n'avez pas de Tikriti, monsieur? On a la pizza 4 saisons. Mais pourquoi vous n'avez pas de Tikriti? J'ai demandé. On appelle cocktail de fruits, n'est-ce pas? Sans alcool, ouais. Et puis pourquoi vous n'avez pas de Tikriti? Pourquoi? C'est pas ici la carte. Pardon? C'est pas ici la carte. Mettez ça sur la carte demain. Vous allez avoir beaucoup de gens ici. Pourquoi vous, Sophia, n'a pas Tikriti? Renseignez-vous sur Google, vous allez voir Tikriti. C'est le meilleur repas. Vous n'avez pas ça? Vous n'avez pas?
Depuis, c'est moi. Mais c'est un coup, ça se paye. Ça se paye. Ça s'assied à l'hôtellerie. Vous marrez en plus. Il faut se marrer de bien. Vous ne connaissez pas Tikliti, mais c'est grave, moi, je trouve ça nul. Je trouve nul votre formation. Sans avoir mis de Tikliti. Non, 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 la mère ne peut pas me prendre le respect. Non, ça ne peut pas être de Tikliti. Bah, le Tikliti, c'est seulement, ça se fabrique dans une casserole et puis accompagné d'un couscous, couscous à la gep bété. La gep de bété. Ouais, mélanger de lait de, avec le lait libanais. Non, mélanger du lait libanais. C'est-à-dire c'est blanc, c'est du lait libanais. Non, pas de couscous. Vous perdez, c'est pas la raison. Je vous parle du BT et de libanais, le miel, le lait libanais. Vous rencontrez sénégalais. Vous mangez du tchèpjet. Vous n'êtes pas dans le fait du tchèpjet. Ne m'amenez pas là-bas sur ce terrain. Non, je n'ai pas de couscous. Je parle de couscous BT. Voilà, je vais parler de la JEP. Je dis JEP BT à la couleur et du lait libanais. C'est comme ça que le tikiti se mange. Vous rentrez ailleurs. Monsieur, prenez-moi au sérieux. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas passer tout notre temps en train de manger du JEP JEP. On est malade ou bien? Ne nous envoûtez pas le JEP JEP, même si c'est doux. Mais un jour, il faut qu'on laisse le JEP JEP. Je viens à la pizza, laisse la pizza sur la table, je viens. J'arrive, voilà, donc le tikliti, c'est une nourriture qui doit se manger par tout le monde d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour dire, les ingrats, on a trop aidé les gens, ils sont très ingrats. Oui, par moment, je suis à la plage, désolé. La mère, tu ne peux pas m'emporter, parce que Jésus a marché sur toi. Donc tu es vaincu un peu. Essaye de totalement, tu vas disparaître. On a besoin de toi. Tu as envoyé la nourriture. Je n'ai pas peur de la mer. Donc, les gens sont ingrats. L'Africain, il est ingrat. Il a ça dans son ADN, dans sa manière de faire l'ingratitude. Et ce n'est pas bon. C'est ça, aujourd'hui, que je voulais souligner dans mes dits. Ne soyez pas méchants envers celui que je suis. Je suis le seul maréchal. Je dis, hein, le seul qui va dans le village. Démontrez-moi quelqu'un d'autre qui le fait. Qui délivre un sorcier et qui lui donne une situation de vie. Démontrez-moi quelqu'un qui fait ça. Vous bavardez, vous êtes homme de Dieu. Vous faites ça comment? Démontrez-moi quelqu'un qui délivre un sorcier, qui reconstruit les familles, n'est-ce pas détruit par la sorcellerie, qui reconstruit les familles et qui donne le travail, qui délivre un sorcier, qui lui donne le travail, qui croit en lui, qui s'est transformé. Attends, si ce n'est pas Dieu, comment quelqu'un peut se convertir en sorcier? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant jusqu'à ce point? Pourquoi vous êtes méchant jusqu'à ce point? Méchant. Je souligne bien méchant, je pèse mes mots. Méchant. C'est pour ça que je vous regarde. Je regarde, j'analyse. Quand je me retire là, je réfléchis un peu sur tout ce que Dieu a fait au travers de moi. Comment je me suis sacrifié, je me suis donné. Corps et âme. Corps et âme. Au risque de ma vie, traverser des trucs. Moi-même là, un jour, je vous fais des aveux. Hein. Un jour, n'est-ce pas? À Boudoubré, vers la lague, vers chez la Kodia, là, en 2008, je crois, 2007, 2008, dans ma chambre, j'ai un esprit qui est sorti de l'eau, qui m'a coincé dans une maison. Ça, je ne le dis pas comme ça, hein. Je suis en train de le dire, qui m'a coincé dans la maison, parce que tout le monde est sorti dans le village. J'avais fait un pacte avec un pacte, je ne dis pas, c'est les secrets des trucs, mais il y a un pacte humain qui a été fait, et je suis venu détruire ce pacte-là, c'est une petite île, pour que le développement en dans le village. Et l'esprit est venu me trouver dans ma chambre. Il m'a coincé physiquement, comme je te vois là. L'esprit m'a pris, m'a coincé au mur et m'a menacé de mort. Tout mon corps, je ne sentais plus mon corps. Je suis tombé. Je ne savais même pas que j'étais vivant. C'est quand je suis tombé, quelques heures après, que j'ai senti qu'il y avait la vie en moi. Je me suis réveillé et j'ai dit, mais ah, Dieu merci. J'ai vu des esprits dans ma chambre me menacer parce qu'ils venaient délivrer des villages. Attends, un homme comme moi là, est-ce qu'il a besoin d'être traité comme ça? Qu'est-ce que je n'apporte pas pour l'Afrique? Qu'est-ce que je n'aime pas? Mes trucs ne sont pas cachés. Pourquoi vous êtes méchants, vous les Africains? Vous voulez Dieu le prophète Grasso? Par vos dits, vos menaces, vos rencontres. Bon, shalom à vous. Nous, on regarde la mer. Nous autres, on regarde la mer. Regardez la mer. C'est la mer ici. C'est la mer.